putain. Faut plus essayer de faire ça, on devrait foutre le fest. Oh putain. Tout ira bien. Quelqu'un qui s'est présenté comme Henry de Truffaut appela un guetteur dans son secteur tôt ce matin et lui a dit que je connaissais la cause de l'incendie à Weepy Team. Putain. Je viens de parler à ce guetteur qui se demande ce que je sais, ou si je suis une pyromane, ou si je suis en train de péter les plombs. On doit savoir ce qu'il y a qui change cette grotte. J'avoue. 100%. Go. On va rester encore très longtemps ici si on trouve pas des putains de réponses. C'est avec des menottes qui vont nous évacuer. J'avoue, putain, vite grouille! Il faut qu'on se serre les coudes. Qu'on s'en tienne à la même version des faits. Le premier jour avec les composes, la personne qui a entendu la radio, tout. Il faut qu'on soit honnête et que nos versions concordent. Oui, il faut être 100% honnête. Toujours honnête. Ok, c'est par là. Par là et on continue. Vers les toilettes et tout, elles sont pas là les toilettes, genre. Il y avait pas des toilettes ici? Mais je suis où là? Ah putain, je pars dans le mauvais sens. Ah, je suis une bite. Par là. Faut que je vérifie mon générateur au niveau des toilettes. Je pense qu'il doit y avoir une couille. Il y a tellement moyen de faire des trucs ici. On y a rien. Ok, ici on est là et là-bas il doit y avoir le panneau. Normalement on a foutu le panneau du gars. Voilà. Edgar Offreux. Allez. Alors la grotte. Allez. Donc. Pom pom pim pom pom poulak. Ok. Alors normalement il y a le passage à gauche mais ça nous demande de faire plein de sauts donc on va passer à... Enfin à droite. Donc on va passer à gauche. Putain mais c'est chaud. Et le gars qu'on avait vu, les deux adolescentes. Mais c'est chaud, j'arrive pas à comprendre. C'est juste une étude sur nous. Ou s'il y a vraiment tout... C'est pas vraiment toi qui a passé cet appel, n'est-ce pas, à l'autre guetteur. Ça m'a juste omnibulé. Je me suis laissé aller imaginer à quel point je serais dans la merde si tu m'avais menti. Je ne pourrais pas, même si vous voulez. J'avoue. Ouais, ça peut te rassurer, j'avoue, je suis une grosse bite. Hein. Ok, la grotte est là. D'ailleurs, j'avais fait tomber le panneau à côté, il est... Ah non, il est toujours par terre. J'allais dire... Je vais pas refermer derrière moi. Je sais pas pourquoi je sens la couille arriver là. Genre, j'ai tourné le dos, ça va se fermer, genre... Je fais ça. Non. Je le savais. Enfoiré. Pute. Vite. Là c'est une trop longue chute, on va pas y aller. On va passer par là. Allez go. J'espère que t'as maigri mon gros. Ouais, je pense que c'est quelques semaines là, c'est quelques mois. Ces deux petits mois en forêt, ça t'a fait maigrir un peu. Ok, c'est chaud. C'est grave chaud en vrai. On se les gèle, putain, j'avoue.
Y'a un truc. Y'a une radio. Putain. Non, le gamin et le père. Non, me dis pas qui. Non, ce serait chaud. Non, 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 non. Ah non, pas ça. Ah, ce serait dégueulasse. J'ai peur qu'en fait il y ait des morts. J'ai pas envie, j'aime bien les gens. Mourrez pas. Ça va être ouf en vert. C'est bon, j'ai trouvé la sortie de la grotte. On n'a rien pris dedans. Où est-ce qu'on est? On va y aller, hein. Hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet. Rien pour l'instant, parce que quelqu'un a essayé de m'enfermer là-dedans. T'as vu quelqu'un? Non. No, someone slammed the gate behind me and then ran away. Si j'ai pas réussi, j'avoue. Found another way out, but if I hadn't, Jesus. So you didn't find anything? T'as rien trouvé du tout? Non, il y a un endroit où quelqu'un avait enfoncé un piton, mais le matériel a disparu. Et là? Delilah, je viens de trouver un affleurement au chaud où quelqu'un joue au château fort. C'est Brian. Et encore des livres. Je suis un filmeur des autres. Il a empilé des tas de pierres, construit une muraille et une enceinte. Attendez, c'est pas Brian? GS. GS, c'est pas Brian. Brian Ils ont failli se faire coincer. Brian aime bien monter sur la balustrade pour faire coucou aux avions qui arrosaient les incendies. J'ai reçu un jour un appel de quelqu'un qui pensait avoir perçu un gamin de Force. Ham radio schematic here, something Brian was working on. Yeah, I think that was the one thing Ned did do with him. Bricoling. Un vieux jouet cassé, une espèce de jeu vidéo, une carte postale. Son voisin. C'est vraiment sympa, on va pêcher. On va pouvoir tondre votre gazon cet été, mais je perds. Neighbor. What's it say? That he's with his dad and sorry he can't mow his lawn this summer. Oh gosh. Huh. Brian stole. A volé le matériel d'escalade. T'as été sur le crash du moins, j'espère. Pourquoi il me prend un service et l'envoyer. Tu veux me noter votre. Récompense conséquente. Comment il peut. Yeah, it is. Attends. I think he was gonna hide them in a cash box or something and never got around to it. He left a note for a ranger to find them and. Okay, j'ai eu l'occasion de le faire. Il a laissé un mot demandant au ranger qui est trouvé de lui envoyer dans le Nebraska. Oui, apparemment, Ned le poussait à en faire et le moyen le plus simple d'y mettre un terme, c'est de faire semblant de les avoir perdus. Les cordes qu'on avait trouvées. Il m'a fallu une bonne raclée quand j'étais petit. Ah mais ça va nous permettre de faire pas mal de trucs ça. Hey, remember that pack I. Tu te souviens du sac que j'ai trouvé? Brian comptait le récupérer si on croit un plan qu'il a tracé. Ça ressemble à un plan de coyote qu'on bip bip, voilà tout ce que je peux te dire. Un projet de science sur la réflexion d'ondes radio sur une putain. La propagation des sondes avec les météores. On perd quelqu'un qui est connu à l'armée qui vit à Albuquerque. Purée! Impressionnant! Yeah.
He must have been pretty smart, huh? I found an old school folder. Brian was a hell of a doodler. Ah, un vieil oreiller? He made the place pretty comfy too. That's an achievement. Yeah, at the expense of what are probably stolen pillows. Probablement volé, ouais. Little shit. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas du tout quoi en penser là. Il y a un problème avec ce môme, ça c'est sûr. Est-ce qu'on aurait pas un chemin où on peut aller? On a les pitons. Oh, les pitons peuvent peut-être nous permettre de retourner dans la grotte. C'est peut-être ça la solution. Alors on va vérifier. Un nid? Oh, stylé. Et les câbles. Il avait récupéré l'électricité ici? Il avait détourné de l'électricité? Mais... attends... oh là, je rigolais. On peut pas y aller. Où est-ce qu'on doit aller? Je suis un peu perdu, je l'avoue. Je supposais qu'on sortait par... on part tourner dans la grotte. Qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà. Je me disais bien qu'il y avait un truc à faire. Pratique ça. Je sais pas quoi penser sur l'histoire du petit Ryan. Et j'ai toujours les adolescentes en tête. Je sais pas. Ils ont fermé la porte alors qu'ils auraient simplement pu te faire casser la tête une pierre, ouais. Ils veulent que je découvre. Ouais. Parce que je m'en fous de mourir. Je préfère mourir que de vivre une histoire que je connais pas, que je comprends pas. Il y a un serre-mort par ici. C'est bien. Oh, l'ours. Shut up. This elk is wearing a tracking collar. The wave receiver picked it up. Is that right? Yeah, it's numbered. Makes sense. Qu'est-ce que ça peut être? Maybe they were tracking elk. Des cerfs? Non. Maybe they were doing exactly what they said they were. Delilah. Yeah. Il y avait des tonnes d'équipements là-bas, ils ont très bien faire tout ça, tu sais. Yeah, sure. They could be. Il faut que je retourne à la grotte. Il faut que j'aille en arrière et à droite. Je me suis perdu à cause du bip bip. Et maintenant, en fait, que je peux repasser dans la grotte, ça devrait le faire.
Ouais. On va descendre par là. C'est quand même chaud. Hein. Je vous avoue, je suis flippé de ouf. J'ai oublié. Qu'est-ce qu'elle a encore? Je les ai pas tués visiblement. Personne ne les a tués. Hein? Elles ont volé le tracteur d'un fermier pour se faire une petite virée. Dans Riverton, elles ont atterri en prison. Mais leurs affaires? Bah ouais, putain. Glad they're not dead, but it also means that they weren't a part of what's going on. Yeah, I suppose you're right. You just have to keep searching. Yeah. On va retourner dans la grotte. Il y a des traces. Là, 100%, il y a un truc qui a changé. Le bois. Et on y retourne. Mais maintenant on a les pitons. Et comme on a les pitons, on va pouvoir faire quelque chose. Là. Bon après je vous avoue c'est pas très résistant et c'est pas très safe ce qu'il est en train de faire mais bon. Normalement un petit baudard. Un deuxième piton. Pour toujours double sécurité. Mais enfin. Et un casque sûrement, Tony Matt Lasset. Au cas où il chuterait. Il peut survivre à une chute s'il est bien protégé. Enfin bref. C'est des détails. Ça y aurait deux protections sur la corde, deux protections sur lui. Et ça fait double sécurité. C'est suffisant. Toujours double sécurité. Ouais, c'est par là. Hein. Avec mon gros. Broom! Y'a pas une moins longue chute là? Non. Allez, c'est parti! Mais jusqu'où je vais aller? C'est hallucinant. Qu'est-ce que c'est? Merde. Oh putain. Ah c'est chaud. Ah merde! Ah putain! Ah c'est horrible! Faut vite qu'on signale le corps, ouais. C'est grave chaud. Horrible. Allez vite. Notre entrée de grotte? Non, on est allant. Genre. Putain. Oh, c'est horrible. Il y a encore eu un feu? Il n'y avait pas autant de fumée avant. Hey, Dee. There you are. I've been worrying my ass off. Dee, Delila. Hey, you might want to take a seat. I've been sitting this entire time. I'm almost always sitting. What's
What's wrong? The only thing in the cave was a body. A body? God, what a mess. Ouais, quel merdier. Delilah. Delilah. C'est Brian. It's Brian Goodwin. Gotta be fucking kidding me. How does that... What? I don't... How? Climbing, I think, or made to look like a climbing accident. Je sais pas quoi répondre. Je suis vraiment désolé. I'm so sorry. He'd be alive if I had told someone he was out here. I don't know where he'd be, but I can assure you it would not be rotting at the bottom of that cave. There's nothing to say. Hike back. I think we're leaving tomorrow anyway.